Alors, pouvez-vous penser à un nom qui commence par la lettre C? Stop! Bienvenue une fois de plus à Nido à cœur ouvert. J'ai hâte de vous parler d'un nouveau type d'intelligence. Votre enfant aime les livres, raconter des histoires ou même des blagues? Dans ce cas, je suis sûre qu'il est doué d'une intelligence linguistique. Lorsque nous parlons d'intelligence linguistique, nous faisons référence à la capacité de très bien manipuler les mots et les langues. Ce sont des personnes qui apprennent mieux par le langage des mots. Pendant que nous autres, là, nous avons mis du temps pour former nos premiers mots, eh ben, ce n'était pas du tout le cas pour nos petits. Dès qu'ils ouvrent la bouche, ils s'expriment tellement bien. Ils peuvent épeler les mots facilement et correctement et se souvenir des noms, des lieux et même des dates. Les meilleurs écrivains, journalistes, poètes, traducteurs. Alors, comment aider nos enfants à mieux réussir à l'école grâce à l'intelligence linguistique? Je suis sûre que vous avez déjà remarqué que lorsqu'il s'agit de lecture ou de dictée, ces enfants sont de véritables stars. Mais qu'en est-il si votre enfant n'est pas aussi fort dans ce domaine et que vous voulez l'aider à s'améliorer? Voici quelques conseils à suivre. Encouragez votre enfant à lire dès son plus jeune âge. Jouez à des jeux de mots comme le Scrabble ou les mots croisés. Aidez-les à écrire leurs propres histoires. Laissez-les s'essayer à des débats ou même la poésie. Les laisser apprendre des langues très tôt est également très utile. C'est terminé pour aujourd'hui. Ne manquez pas le prochain épisode de Nido à cœur ouvert où nous parlerons de l'intelligence musicale. À bientôt!